Donc, il y a au moins trois séquences qui m'ont marqué. La première, c'est lorsque un des personnages est allé rendre visite à ses amis qui sont en prison. Et cela, ça pose un problème de droit au Niger. La prison, normalement, c'est aussi un lieu couvert par le droit. Mais ce n'est pas le cas puisque il y a des actes de torture, il y a des privations qui ne se justifient pas et aussi il faut avoir beaucoup de moyens pour pouvoir survivre. Je ne sais pas si tu as cette scène où ce monsieur est venu rendre visite à ses amis en prison. À quoi t'as carré? Salut, c'est Chikara. Salut, c'est Chikara. Papa Solo. Papa Solo. Américain. Américain. Salut, Chikara. Papa Solo. Ça va, Anne? C'est bon? Y'a d'agi. Mamriki. Bon, c'est le gars. Y'a d'agi. Déjà, un bon gars, y'a Tikamaki. Mamurke yana bural ana tattabago a ina wuce da kuna nan kin kawai komai da ya hita ya ka san mutare mi ya hi kai dai ka zo kai duka ai baskin abun ne ku gaba dai kawai kuma sai a hankali a wannan kai kamata ma a ce a samu sayan da za a yi ai shar'a almadi ka san matsayin ka kwa eh mana mutai eh mana sai ba rishin shar'a gidan nan matsala ne a ga wannan da yaba gaskiya a taya nawa a taya uku a taya uku je wai minista ji ji ana abun bai ba bai mana ai tara ta yi mutum ya kare ko kare an yi kamiya kana donc d'une manière globale il y a un problème de droit du respect de la règle de droit au Niger et en particulier en milieu carcéral donc le prisonnier quand bien même un détenu il est en principe innocent jusqu'à ce que, en tout cas, la présomption d'innocence y est jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Eh bien, même une simple détention ne prive pas quelqu'un de ses droits fondamentaux. Et c'est ce qui m'a premièrement marqué dans ce film, le déni du droit, en particulier celui du prévenu ou de quelqu'un qui est peut-être condamné ou pas encore condamné. In an ce mai laifi ne kai kamata a dinga jiranka a kama ka da laifi ba ya kasance ba kawai ga abin da ka aikata a zo a kara ma wani abu ko kuma ya kasance kawai a darme ka a rataye ka abin da baka sani ba a dinga kishin ka kuma ga gaskiya a tambaye ka ka hwadi kuma ya kasance ka shi ne zaka shi ine ne wannan na mine ne za a ce abokina a ce a radina dinga kishina na yi gwaci wane ne na mashi gaskiya bai abokina a ce wai hina ji na nuna wai dan kwaya ni kuma kwaya ko shanta daban na yi abokina kaga ba hujjal wannan duka ba ka ce wai hina ji na guda ma a gari wai waye mai kwace ba aiki tunda ba shi bai kani ce musu ni ga abin da ya kani kuma na gaya muku ga abin da ya kani kawai a ce a dole kawai a rataye ni wai hina hudu inda barayi suke hina hudu inda masu sai da kwaya to wannan aiki kai ga mina da ne to kawai aka ga mu dande kawai shikenan ni mai lagi ne kawai a tara a dora mu eh dande ni ba yanda zan ci ma ana shiga hakkin kuma abu ne mun yi mun bari amma an kasa yarda da haka kai kawai Allah ya isa la prison en principe c'est l'exception, ce n'est pas la règle. Mais au Niger, c'est devenu systématiquement la règle. Pour quelque délit que ce soit, le recours ou la destination, c'est la prison. Quand bien même la personne présente des garanties. Donc, pour quelqu'un qui présente des garanties, a priori, la personne peut être, inculpé et trouver une forme alternative pour que la prison ne soit pas la règle.
Maintenant, en particulier à l'intérieur du pays, il y a beaucoup moins de connaissances sur le droit. Et de mon expérience, pour avoir un peu piloté certains programmes axés sur l'état du droit, la sécurité et la société civile, on a très souvent plusieurs mondes qui se côtoient sans se connaître. Le milieu de la magistrature, donc les magistrats, c'est un milieu qui est composé de ceux qui sont initiés. Les porteurs de tenue, donc les gendarmes et les policiers, eux aussi, qui sont une chaîne, qui sont aussi à certains situations, une chaîne, un élément de cette chaîne judiciaire, c'est un monde à part. Et puis on a le tiers état, la société civile, donc les civils, en particulier les jeunes, et en particulier dans le particulier dans la région des Andes, bon, qui vivent une vie un peu de reclus, une vie un peu de laissée pour compte, dans laquelle ils se retrouvent entre eux, familiarisent, deviennent solidaires et se forment une carapace qui les amène à affronter tous ceux pour qui, finalement, il n'y a que entre eux les rapports de force. Que ce soit le côté des forces de l'ordre ou de ceux qui représenteraient ce qu'ils estiment, eux, au niveau de la société, comme bon, ceux qui ont eu la vie peut-être facile. Donc, si on essaie de voir comment ces jeunes s'opposent à la loi, à l'État constitué, c'est d'abord physiquement. Ils s'arment physiquement, donc ils font du bodybuilding pour avoir des formes vraiment très athlétiques. Deux, ils prennent beaucoup de stupéfiants. Dans ce film, l'un des éléments, c'est la consommation de la drogue. La drogue circule beaucoup. Et tous ceux qui favorisent cela, c'est la proximité avec le Nigeria. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient dans la grande délinquance. Donc, c'est facile de se procurer de la drogue. Et maintenant, le troisième élément qui semble donner une sorte d'apothéose à ce cocktail, c'est la politique politicienne. Donc, les politiciens ont tellement compris à un certain moment qu'ils pouvaient utiliser cette jeunesse désœuvrée et donc ils ont voulu s'acoquiner. Et de leur côté, les jeunes ont estimé que c'est aussi un label qui pouvait leur ouvrir beaucoup de portes. Donc, il y a un rapprochement sur la base des intérêts des uns qui ne sont pas ceux des autres et ce rapprochement n'était vraiment pas amené à durer. Maintenant, pour revenir à ceux-là qui sont en prison, normalement, la présomption d'innocence, c'est la règle. Et l'état du droit, il existe y compris à l'intérieur des prisons, puisque c'est des hommes. Certes, pour ceux dont la culpabilité aura été établie, qui ont commis des fautes, des délits et qui doivent répondre. Mais quand bien même ils sont dans cette situation d'avoir à payer ce qu'ils ont commis comme forfait, ils n'en demeurent pas moins qu'ils sont encore régis par la loi. Et c'est dans ce film c'est que je n'ai pas beaucoup vu le respect du droit, le respect de la loi en ce qui concerne en particulier les détenus.